Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci concernant l'adaptateur pour la S70 3 pattes avec des accessoires GoPro. Donc j'avais commencé par un prototype comme ça qui était d'une seule pièce. Et en fait j'avais passé beaucoup de temps à la nettoyer et suite à la remarque de Eric B, que je remercie grandement, il m'a proposé une solution, c'est-à-dire de la faire en plusieurs pièces. Donc en fait de la trancher, de la découper, de les faire une par une. Donc en fait ça donne ceci. Mais l'avantage de procéder ainsi, c'est que chaque pièce en fait est complètement remplie. Et du coup j'ai pas de vide à l'intérieur, elles sont beaucoup plus solides et rigides. Et le fait d'avoir mis une petite vis au milieu, comme on voit ici, en fait ça va, une fois que tout est bien mis et aplati, on se retrouve avec une pièce quasiment comme si elle était pleine, à part que chaque pièce est individuelle. Et le fait de pouvoir mettre la petite vis, ça permet justement de les compresser et d'en faire une seule pièce. Donc vous me direz, bon c'est vrai, il n'y a qu'une vis, ça bouge et tout, ça tourne sur elle-même. Mais une fois qu'on a mis les deux autres ici et là, ça ne bouge quasiment plus. Donc là j'en ai monté une, on voit bien la jonction entre les pièces. Et en fait, une fois que ça y est, on peut bouger tous les éléments. Et vous voyez, à la limite, presque là, c'est la fixation de la GoPro qui va casser, quoi. Si je force un peu plus, voilà. Donc on se retrouve avec une pièce vraiment très rigide. Vous voyez, elle bouge pas. C'est en fait c'est ça qui va casser si je force un peu plus, quoi. Donc voilà, le projet est abouti, le projet est fini. Je vais sûrement le mettre sur le site. Mais je pense que je fais cette vidéo pour le mettre sur le site. Et puis je remercie beaucoup Eric B pour sa petite solution. Et puis son idée ingénieuse qui m'a bien servi. Et j'espère que cela vous permettra de pouvoir profiter de vos accessoires GoPro et de pouvoir continuer à évoluer. Allez, sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!